Vincent Degé, compositeur. Hein? Franck Arscoet, auteur. Calmez-vous les pêcheurs, ah bon, on n'est pas à Mona. Moi, l'envie que j'avais avec ce spectacle, c'était de faire une espèce de royaume d'opérette. C'est-à-dire un lieu complètement improbable où il y aurait des luttes de pouvoir un petit peu grandiloquentes et ridicules. Et voilà, en référence lointaine avec le spectacle du pouvoir actuel. Ouais, et au-delà de ça aussi, créer simplement un univers joyeux, un spectacle populaire pour. Est suffisamment cinglé pour que les gens de notre génération puissent s'y reconnaître aussi, c'est-à-dire les moins de 25 ans. Je suis le roi des rois, personne n'est plus libre que moi, à qui voudrait me faire sa loi, me dire oh bon mais quoi. Chaque candidat va monter sur le podium et nous présenter une chanson qui sera notée de 1 à 5. Sur 4 critères, odeur, présence physique, qualité psychologique et charme général dégagé. Pas de problème, j'assume. Ici la grande ville moche. La nuit des flammes roses, l'histoire, c'est l'histoire d'un roi décadent qui cherche une première dame à toute force, sous peine d'être destitué de son trône. Il n'a plus qu'une journée pour le faire. Oui. Et donc il organise un espèce de casting, un petit peu comme à la recherche de la nouvelle reine, ou autre reine académique, quoi. Hein? Ouais, c'est ça. Et au-delà de ça, ça parle aussi de ce qu'un pouvoir égoïste est réduit à faire quand il n'a plus rien d'autre à faire que de penser qu'à lui-même. Et en l'occurrence, un pouvoir qui relègue dans ce qu'on appelait la grande ville moche les artistes, les artisans, les paysans, qui n'ont plus que leurs larmes pour pleurer. Ouais. L'histoire triste de la chose, c'est ça, au fond. Salaud pauvre, salaud riche. Le royaume cherche une reine vierge. El castellito espera una reina virgen. Election today, 2 hours to the castle. Élection aujourd'hui à 2 heures au palais. Election ahora a las 2 al palacio. Bonne chance. Buena fortuna. Bonjour, je m'appelle Madame. Comtesse Fabiola Saint-Hubert. Serais-je en avance? Je n'ai croisé aucune autre candidate. Je suis candidate. Ah oui, non, vous m'avez mal compris. Je voulais dire, serais-je en avance? Je n'ai croisé aucune autre candidate. Je suis candidate. Elles sont candidates. La grandeur de votre amour dépasse toute espérance. J'en peux plus, Chocotte, j'ai la chemise en vrac. Mais presque violette, j'en témoigne. Entendez-vous, Chocotte, vous sonnez. Oh bah, toi aussi, pipelle. Faites-moi sonner les clochettes. Embrasez-moi la lumette. L'objet qui garantit les règles de la cour. Le show des comédiens, c'était vraiment le moment crucial de la création de ce spectacle, puisque les personnages, celles qui sont écrits, sont compliqués à caster. Ce sont des personnages très en couleur, ce sont des personnages qui demandent une invention, une folie, un engagement vraiment important. Mais on les a trouvés. Mmh. En plus, les parties chantées sont pas évidentes. C'était assez difficile d'aller chercher un comédien-chanteur, un chanteur-comédien, et puis je pense qu'on a trouvé des vraies bonnes personnes pour les... Autant dire des perles rares. C'est ça. Je trouve la bête. Pas encore. La chenille libérera le papillon. Déroulez-moi
s'est beaucoup battu sur la place de la musique dans la nuit des flamants roses, mais finalement on a réussi, je crois, je suis sûr, à faire un truc où les thèmes se répondent, où les scènes s'enchaînent bien, voilà, on a... Hein, tout est, en fait, tout a été écrit vraiment dans un seul jet, on a travaillé ensemble, on n'a pas dissocié les deux, c'est vrai, travaux d'un côté, la musique d'un côté, les... le livret de l'autre, ce qui explique, je crois, l'extrême fluidité de l'œuvre. C'est ça. L'œuvre. Des oiseaux sacrés. La fermière.